mon approche, elle est simple. J'ai deux casquettes, le côté traditionnel et le côté numérique. Donc j'ai créé 3 livres, je suis sur le 4e actuellement. Donc je suis peintre-auteur, j'écris et je réalise les peintures et les dessins qui illustrent mes livres, je les maquette et donc je les sors en édition limitée. Voilà. J'arrive à tracer des parallèles entre le rêve et le réel. Donc j'ai une prédilection pour l'appareil Dolly. J'en ai fait un petit peu ma signature, donc c'est des visages ou des animaux dans la nature, les roches, etc. Puis après j'ai une inspiration assez fantasy, steampunk, et moi je viens du jeu de rôle, donc forcément il fallait pour moi que l'imaginaire soit présent. J'ai une inspiration classique pour la peinture, donc tout ce qui est pré-raphaélite, on va dire, et puis Art Nouveau. Et j'ai aussi, pour les plus contemporains, Frazetta évidemment, Sweet Mac, qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai rencontré, qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Et après, les plus récents, Julien Delval ou d'autres illustrateurs de couverture, de romans ou de jeux. Clairement, je suis toujours en train de trouver des nouvelles fonctionnalités sur Photoshop et que j'utilise depuis 1995. Je suis moi-même formateur PAO depuis des années. Et je continue à former des jeunes à des écoles d'art, donc évidemment je me tiens à la page du dernier truc et du dernier raccourci, mais de plus en plus, avec mon expérience depuis 6 ans maintenant de peintre-auteur à 100%, puisque le graphisme pendant 20 ans j'ai laissé tomber, et j'en continue sur quelques commandes, mais voilà, je préfère la peinture classique, l'aquarelle et le dessin.